Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille quand le vent dissipe, que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voix des justes et la voix des pécheurs mène à la ruine. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, et la parole de Dieu est éternelle. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te demandons d'être avec nous, afin que cette lecture que nous devons suivre, que toi-même tu puisses nous aider. Et que nous suivons ce qui sera édifié. Nous te demandons tout ça sur notre Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes à la première Sainte Cène de cette année 2015. Lorsque les chrétiens se réunissent pour partager la table avec le Seigneur, il y a toujours des recommandations, notamment dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, lorsqu'il s'adresse à la communauté de Corinthe pour enseigner comment est-ce que l'on doit venir à la table sainte. Il y a toujours cette demande que chacun fasse un examen personnel, un examen intérieur avant de venir communier avec le Seigneur. Et pour que nous soyons un peu édifiés sur les attitudes qui doivent être les nôtres, ce jour, l'Esprit m'a conduit sur ce psaume qui est le tout premier. Et lorsque j'ai lu, j'ai été surpris de constater que lorsque le Seigneur Jésus commence à enseigner, il commence d'abord par dire « Makarioi », heureux. Et c'est ce même « heureux » que l'on retrouve dans le livre des psaumes. C'est toujours Makarios, ce heureux-là, qui va ouvrir ici-là les enseignements. Et lorsqu'on regarde un peu ce que le Seigneur Jésus fait, le Seigneur Jésus vient pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas pour le Fils de Dieu de venir auprès de l'humain pour lui apporter ce qui est négatif. Et donc, j'ai trouvé un parallèle entre l'enseignement au début de ce psaume et de l'autre côté, auprès du Seigneur, c'est une parole qui dit heureux et qui annonce la bonne nouvelle. Et donc, de dire, mais la bonne nouvelle c'est quoi? Mais c'est cette signification que Dieu nous aime. Dieu a créé l'homme. C'était une bonne nouvelle pour lui-même, ce qu'il a eu à faire. Et donc, c'est pour le bonheur que l'homme a été créé. C'est pour qu'il soit heureux. Donc le psaume commence ici avec une première articulation qui est une articulation de joie. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de très beau. Mais tout de suite, comme on le dirait en Afrique, que tout bel arbre ne manque pas d'avoir des fourmis. Tout de suite, après avoir engagé le bonheur, la merveille, la joie, on se retrouve tout de suite en face de ce qui est négatif. Parce que le salut se dit, heureux l'homme qui ne
On commence avec les interdits qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. J'ai regroupé ici méchants, pécheurs et moqueurs. Parce que pour moi, je trouve que tout ça, ce sont des arbres, n'est-ce pas, qui sont voisins les uns les autres. Ça veut dire, si vous partez de méchant, vous arrivez à pécheur, il n'y a pas de différence. C'est simplement l'appellation, parce que le contenu est le même. Et derrière, on parle ici là des moqueurs. Un moqueur, c'est quelqu'un qui est méchant. Ce sont des personnes qui disent des choses blessantes. Eh bien, nous avons une triple négation en face du bonheur. Mais dans cette triple négation, les chemins sont différents. Parce que la première chose, on parle du conseil, de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Nous savons nous-mêmes que la vie que nous menons aujourd'hui, nous avons, tout le monde a aujourd'hui des conseillers. Chacun a des conseillers. Je veux vous... parce que je crois que le Seigneur a voulu que ce soit ainsi pour que nous en parlions. J'étais dans le RER il y a quelques jours. Et je dis, ce n'est pas possible. Parfois, les couples s'affrontent, s'entretuent, sans savoir d'où ça vient. Vous avez une femme qui est assise dans le RER avec une autre femme qui est assise à ses côtés et qui est en train de donner à l'autre toutes les mauvaises leçons, comment elle doit faire dans la maison de son mari. Parce que la femme dit qu'elle, avec son mari, lui donne tous les jours, elle a 10 euros pour essayer de faire les courses parce que il y a pas, son mari a des problèmes. Et elle lui donne tous les mauvais conseils que tu as seulement 10 euros qu'il te donne. Seulement 10 euros. Mais où est son problème? Mais les conseils qu'elle va commencer à donner à la femme, vous pouvez vous imaginer, monsieur est à la maison avec sa femme qui est habituée à prendre 10 euros et qui parvient à faire à manger avec les 10 euros. Et maintenant, la femme va rentrer, monsieur se retrouve devant une furie. Mais pourquoi? Parce que madame aura suivi le conseil d'une personne dans le RL. Mais c'est de la méchanceté. Parce que là, vous avez suivi le conseil, mais quand vous rentrez, vous appliquez, la suite c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu dans la maison. Et votre bonheur que vous aviez à 10 euros est fini. On ne peut pas continuer parce que vous imaginez un homme qui savait que 10 euros était suffisant et qui ne rentre pas plus et vous le forcez. C'est la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous avons des personnes que nous rencontrons sur le chemin qui nous insufflent souvent des idées qui n'ont rien à voir avec même notre propre vie. Vous savez, il demeure que ta vie, tu la connais mieux que quiconque. Les gens qui viennent souvent donner des conseils, qui te donne des conseils. Il veut te donner des conseils comme s'il était quelqu'un qui avait la maîtrise de ta vie. Non. Nous tous, nous sommes heureux. Tout dépend de comment est-ce que nous considérons nous-mêmes dans nos vies. Mais chacun de nous est heureux. En passant, on dit souvent que c'est-à-dire que pendant que tu es assis sur quelque chose, une situation qui est bien, une mauvaise situation t'appelle. Mais elle t'appelle et elle peut réussir à t'avoir si d'aventure tu es sorti de ce schéma. Ça veut dire si tu acceptes d'être conseillé par des personnes qui pensent mieux connaître ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident que le refus que le salmiste nous donne ici, c'est de faire des amis
sur le chemin avec des personnes qui sont des mauvais conseillers. Et pour le chrétien, il s'agit de quoi? Il s'agit de toute personne. La personne qui est méchante, c'est elle qui ne fait pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être heureux si vous avez comme conseiller quelqu'un qui cogne sur toutes les vertus et sur toutes les exigences que le Seigneur nous adresse dans sa parole. Puisque il nous est recommandé dans ce texte que celui qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc dans la parole de Dieu. Or, celui qui n'est pas dans les dispositions chrétiennes ne peut pas être l'ami de celui qui est chrétien. On ne peut pas être et en même temps ne pas être. On est certainement un seul des deux. Donc soit vous êtes un chrétien et dans la dynamique chrétienne, vous marchez avec des chrétiens, vous êtes avec des personnes qui, comme vous, lisent la parole de Dieu et surtout essayent de se conformer à cette parole. C'est une voie à suivre. Pourquoi? Parce que il y a une autre voie qui est dans le texte. C'est précisé qu'il y a la voie des péchés. Donc il y a des chemins, il y a des routes sur lesquelles il faut passer. Il y a la route des pécheurs. Et celui qui n'est pas pécheur ne doit pas emprunter cette route. Quelles sont les voies, bien-aimés, que nous suivons aujourd'hui? Toi ou moi? La réussite comme base repose sur cette conviction que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, celui-là, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que l'arbre-là a toujours le jus nécessaire pour rester vivant. Nous devons, bien-aimés, être ceux-là qui se rafraîchissent auprès de la parole. Parce que nous plantons nos cœurs et nos vies à côté de la parole. Et la parole est une source qui, à ce moment-là, ne fait que nous régénérer et nous nourrir. Nous ne pouvons pas manquer de fruits tant que nous sommes plantés dans la parole du Seigneur. Mais loin de ce qui est recommandé ici pour les méchants, eux, ils ne résistent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que nous avons comme conseil cette parole de Dieu? Ou bien est-ce des êtres humains ou d'autres autres choses qui nous conseillent? Si nous avons comme conseil cette parole de Dieu, alors tout, nous sommes censés réussir dans tout ce que nous ferons. Qui est ton conseil? Chrétien de l'EPC, qui est ton conseil? Qui te conseille? Là, tous les jours, là, qui te conseille? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou bien c'est les êtres humains qui veulent absolument te donner des conseils? Qui est ton conseil, chrétien de l'EPC, chrétien de Paris, donc chrétien du monde? Qui est ton conseil? Il faut faire le choix que ce soit la parole de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse. Et si nous manquons de force, on vient à la table sainte, c'est la recommandation du Seigneur. Quand on est sur le chemin, on est fatigué, ça ne va pas. On se rapproche du Seigneur à la table sainte, on communique pour reprendre les forces pour aller sur le chemin. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Chrétien de l'EPC, qui est ton conseil? Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous sommes heureux de cette nourriture spirituelle que tu nous donnes dimanche après dimanche. Encore aujourd'hui, tu nous as nourris à travers ton serviteur, par ce message. Nous voulons être ceux-là qui seront
dans tes voies. Et nous aimerions que les messages que nous aurons reçus aujourd'hui produisent du fruit en nous. Et surtout, Éternel, que nous puissions le partager avec les autres, ceux qui n'étaient pas avec nous ce jour. Nous voulons surtout, Éternel, que tu n'oublies pas ton serviteur, celui-là qui nous a transmis cette bonne nouvelle, afin que lui-même puisse en bénéficier davantage et qu'ainsi il soit nourri à ta source pour pouvoir continuer à nous donner des bonnes nouvelles de ta parole. Nous t'avons prié ce jour au nom de Jésus, ton Fils. Amen.